La marche verte. À l'occasion de la marche verte, les élèves de 4e année primaire ont l'honneur de vous présenter une pièce théâtrale qui raconte l'histoire de la marche verte. Bon spectacle! Bonjour, les enfants. Bonjour, grand-mère. Bonjour, grand-père. Mais que se passe-t-il, grand-père? C'est un jour de fête, ma petite. Fête? Quelle fête? Mais pourquoi maman n'a pas préparé des gâteaux? C'est le 6 novembre, une journée exceptionnelle pour tous les Marocains. Le 6 novembre? Mais qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? C'est la fête de la marche verte, un moment inoubliable dans notre histoire, où tous les Marocains célèbrent la victoire. Ça veut dire quoi la marche verte? Eh, c'est une longue histoire. C'est l'histoire d'un peuple, d'une terre et d'un roi. Je sais, grand-père, nous aimons les grandes histoires. Raconte-nous tout et en détail. D'accord. La scène s'est déroulée le 6 novembre 1975 quand le roi Hassan II a fait un discours pour mobiliser les Marocains à libérer le Sahara de la présence espagnole. Il a fait un discours inoubliable. 350 000 volontiers marocains, femmes et hommes, ont participé à cette marche verte. Et que fait chacun d'eux? Un courant et un drapeau national et on a traversé la frontière du Sahara. On a libéré notre Sahara qu'avec la fête. Eh bien, la marche verte est un symbole de détermination et de sacrifice. Et elle présente une fierté pour tous les Marocains.